autres chiens. Merci les chéris. Alors, comment vous allez-vous? Très bien. Très bien. Bernard Montiel, tout va bien? Tout va très très bien. Merci. Qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Rien comme d'habitude. Merci. Non, je suis allé au théâtre. T'es allé au théâtre, t'as vu quoi? J'ai vu une pièce magnifique avec Anne Parier et Laura Nunn. Ah oui? Et ouais. Ce sont des histoires de femmes. Ça s'appelle comment la pièce? Ça s'appelle même pas. Mais si j'étais arrivé là. Si j'étais arrivé là? Ouais. Bah toi, si t'étais parti là-bas. Si j'étais arrivé là. Bon, on n'a pas besoin de savoir. Merci, vous. Salon du livre de la mairie du 7e. Sans rigoler, le salon du livre, le salon du livre. Et l'anniversaire de ma maman. Oh là là, je suis Carmen. Ouais. Carmen. Que j'embrasse très fort. Carmen, elle avait versé la mesa, elle pantona, elle pantona, elle pantona, elle pantona, elle pantona. Les d'origine espagnole. Tout à fait. Bah, Carmen, oui, non, elle est suédoise. Il était bien, il voulait. Bah, celle-là, tu vois, ça va être un clip. Il était bien, il voulait, en 2007. Appelé Marioué, mon oncle. J'ai mis Raphaël Nadal quand il perd à Roland Garros. Il était bien, il voulait au premier. Il est un garçon mort. Et mon oncle Tony, il m'a dit, il n'a pas, il a tellement le genou, ma femme, tout va mal louer. D'ailleurs, est-ce que Rafa a gagné là? Il joue en quart de finale à Madrid. Ah, là, il a un coup de mou sur le deuxième. Là. Qu'est-ce qu'il y a? Il avait un coup de mou sur le deuxième. Il a un coup de mou sur le deuxième set. Ça fait 45 ans. Mais qu'est-ce qu'il y a là? L'amabilité. Merci. Donc, c'est tout, t'as été au Salon du Livre? Salon du Livre. Pour vendre quoi? Pardon? Pour vendre quoi? Mon livre. Non, j'ai vu la ministre de la Culture. Non, Rachida Madame Dati. Bah oui, bien sûr, parce qu'elle est aussi la mère du 7e. Voilà, donc, très bien. Elle a acheté votre livre? Elle l'avait déjà lu, figurez-vous. Non, c'est pas vrai. Ah, ouais. Fait. Elle m'en a parlé en long, large, en travers. Non, c'est pas vrai. Et elle l'avait lu, j'étais bluffée. Ah ouais? Bah, ouais. Bah, merci. Oui, vous? Moi, un dîner à la maison avec ma femme, ma fille, la copine de ma fille, enfin deux copines de ma fille, samedi soir. Et puis dimanche midi, on est allé déjeuner dans le Marais avec ma femme. Et lui, il a la meilleure vie. Lui, il est tranquille. Il fait que kiffer, je sais pas. Non, mais j'ai l'impression que les deux, c'est un truc de ouf. C'est beau. Bah, je sais pas. Oui, on se marre bien. Vous êtes bien ensemble. On fait plein de trucs. Ouais. Tu vois, j'étais en train de me demander ce qu'on allait faire pour le 1er mai. Ah ouais. Daniel m'a dit va à Versailles et c'est vrai que c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Va à Versailles. On va aller à Versailles. Ah, il faut acheter du muguet le 1er mai. Oui, ah, oui. Ah ouais. Oui, mais j'ai pas envie d'être à Paris. Moi, je me rappelle, j'en vendais quand j'étais petit. Ah oui, aussi. Je sais, je vendais du muguet. Ouais, j'adorais vendre du muguet. Et vous l'achetiez où? Enfin, vous le récupérez? Ouais, j'allais le. En forêt. J'avais fait toutes les escroqueries. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez fait toutes les escroqueries. Vous avez été à Rungis s'acheter du muguet. Quoi? Vous avez été à Rungis s'acheter du muguet. Non, il allait en forêt. Avec une facture et tout. Puis ensuite, vous êtes parti sur les étalages. Il paraît que c'est très réglementé. Le muguet, c'est très réglementé. Ah, c'est pour ça. Pas à l'époque. Sort un rond-point. Vous le vendiez cher? Le muguet, le petit brun. Le brun de muguet, 40 balles. 40 balles. Légère marge, oui. Ça va. Sinon, ça se récupère dans le jardin des grands-mères. Mais oui, c'est vrai. Alors, comment elle va, celle-ci? Ça va super. Ça va pas mal, la robe, là. Ouais, ça plaît, ça? Ouais, pas mal. Bah ouais. Vous savez, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait, celle-ci, là? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gratté des places de concert tout le week-end, moi. Non, c'est pas vrai. Ah ouais. Je suis en train de réussir là, je suis trop contente là. J'ai appelé ma copine tout à l'heure, je dis ouais, j'ai tout gratté. Non, c'est pas vrai. Taylor Swift. Je suis en train de voir pour Jul, mais c'est compliqué. Ah oui. Ah, ouais. Là, je viens d'avoir We Love Green. Ah ouais. Sur Ferré. Et voilà, ma copine. Vous pouvez pas l'aider, vous? Bravo. Non. Pareil qu'il y a beaucoup de phobies. Ma fille m'a déjà demandé des places pour Jul. Eh ben, tout le monde demande. Jul, c'est plus dur. Impossible. En 30 minutes. Vous verrez. Si vous faites un doublé. Si vous la voyez là-bas, vous lui direz de vous prendre des photos. Merci. Il va réussir. Comment il va, celui-ci? Très bien. Ah, tiens. Dis-moi. J'ai vu tout à l'heure, j'étais hyper aimable avec vous. Oh oui, comme d'habitude. Mais maintenant, vous êtes aimable même avant l'émission. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ce Alors, dimanche matin, j'ai acheté les victuailles et après, on a cuisiné un poulet yassa. On était au marché et tout. Les victuailles. Pourquoi t'as pas cuisiné depuis C'était bon. Rigoler, alors c'est génial. T'as cuisiné avec qui? Avec Fatou, je l'ai regardé cuisiner, moi je suis nul. Ah ouais. Je fais les courses et elle cuisine. Les rôles sont hyper répartis. En fait, c'est ça, un couple qui réussit, c'est délimité. Chacun dans une case, chacun fait son truc, et après on voit. Elle était contente de son week-end, Fatou? Elle était très contente du poulet yassa, on a reçu des gens et tout. Bah, c'est elle qui l'a fait en même temps. Ouais, exactement. Donc, elle a reçu qui? On a reçu des amis, d'habitude on reçoit personne. Il y a qui sont ces fous qui sont venus chez vous? Non, c'est des amis, c'était super. Des amis, à qui? Oui, une amie avec des enfants et tout. À qui? Pas à moi. Fatou, il lui reste encore des amis, pas à vous. Exactement. Non, sérieux? Moi j'ai plus personne, mais
Ah, bah, je comprends rien. Bah, oui. La tristesse. Oh, ouais, la tristesse. Moi, je vous invite, moi, quand je fais des trucs. Hein. Ah, exactement. Ouais, alors, je fais une grosse soirée bientôt. Ah ouais, ah, ouais. Quand? Mais là, je ne vous ai pas invité, personne. Que Gilles. Personne, non, même pas, même pas. Ah bon? Bah, pas mal, c'est nouveau, ça. Bah, j'ai pris ça un peu au hasard tout à l'heure, mais je vais me remettre au sport, donc je commence à m'habituer avec la veste de survette. Pas mal. Ah, là, on dirait Giroud quand le Halagio serait... C'est vrai, ça fait un peu entraîneur allemand des années 80. Giroud champion de France. Entraîneur des années 70. C'est un truc de fou, ouais. Ça te va hyper bien. C'est vrai. On dirait ma prof de sport. Une prof de sport à l'école. Non, Valérie, c'est pas moderne. Je vous dis que c'est vrai. En 6e, 5e, j'avais une prof de sport, elle s'appelait Madame Dalphin. Et ben, elle vous ressemble de ouf. Ah ouais, je vous jure que c'est vrai. Madame Dalphin, je m'en rappelle très bien. Vous sentez pas signé ? Elle disait toujours, on fera jamais d'un dalphin à un requin. Oh. Eh ouais, les gars. Oh. Eh ouais, ça allait déjà vite. Eh ouais. Et très vite, je me suis fait virer. Moi, ça allait pas bien. Après, j'ai eu Monsieur Roumieux. Vous connaissez le prof de sport ? Et le prof de sport. Alors, il y a toujours un prof de sport qui a un accent, comme il arrive. Ben, alors... Il était blond. Oh, c'est vrai. Tu le vois, les profs, là, mais vraiment. Bon, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bon, écoutez, donc l'année va se diviser en trois parties. Il y aura une première partie qui nous amènera jusqu'à mi-décembre, qui sera tout ce qui est sport-co. D'accord, sport-co, c'est-à-dire, je dis bien, basketball, football, handball, car c'est un sport germanique, je l'en rappelle. Hein, Moussa, je t'ai entendu dire handball la dernière fois, fais attention. Si j'envoie un tirer dans le ballon de handball avec le pied, je vais tirer sur sa gueule avec mon pied également. Il va voir ce que c'est exactement la même sensation. On aura une deuxième partie qui nous amènera jusqu'à mars, qui sera tout ce qui est natation. D'accord. Pour les petits malins qui vont m'amener un certificat médical mi-janvier, sachez que ça passait avec M. Bouchardot l'année dernière, ça passera pas. Hein, d'accord. Je vous le dis, okay, ça passera pas avec moi. D'accord. Et puis, on aura toute une dernière partie avec l'arrivée des beaux jours, qui sera toute une partie athlée. Et il y aura donc, en fin d'année, bien entendu, le cross intercommunautaire. Bien entendu, intercommunautaire. Bien entendu, vous recevrez les dossards mi-avril, début mai. D'accord. Pour ceux qui n'ont pas de dossards, c'est qu'ils ne font pas partie de la sélection, n'est-ce pas, Moussa? Merci. Ah, c'est, le gars, il n'est pas comme ça, monsieur Roubaix. Ah, monsieur Roubaix. Les excuses bidons pour la natation. Ouais. Ah, je m'en souviens de ça.